Ok, on va jouer à Cult of the Lamb. J'avais fait la démo il y a un moment en live. Donc normalement ça va être cool. Alors, j'ai déjà paramétré le jeu. Ok. On doit prendre garde. Alors, au tout début du jeu, on avait pu tester... La démo, en fait, montrait vraiment le début du jeu. Alors déjà, visuellement, le jeu, tu vois tout de suite qu'il est monstrueusement beau. Et j'ai vraiment aimé que les devs partagent leur évolution graphique. Parce que vous pouvez sur leur Twitter, ils ont partagé un peu les assets des premiers esquisses du jeu. Et tu vois qu'il y a eu vraiment une... Genre, le travail qui a été fait sur l'évolution du jeu, c'est une dinguerie. Genre, c'est abusé. Attendez, j'ai juste... Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Ainsi, nous avons émis à mort toutes les autres. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Approche, n'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai besoin de toi. Ces stupides prélats pensaient pouvoir t'émaner de moi, et pourtant te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie a un prix. Salut Wolf.
Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu ? Avons-nous un accord ? Absolument. L'animation est une... Genre, c'est une dinguerie. Cult of the Lamb. Ah oui, donc c'est mon chapeau. D'accord, le décor, je peux tout péter. Ok. Et hop, j'arrive au niveau suivant. N'aie crainte, je m'appelle Rato. J'étais autrefois un porte-couronne tout comme toi. Et cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons un grave danger. Ma mission est de te conduire en le sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. J'ai une alerte sur mon tel pour dire qu'il était sorti. Ah ouais, ouais. Bah, moi je l'avais préco. Genre, mais franchement, m'en bats les couilles des critiques. Le jeu, la démo est incroyable. On met longtemps à les tuer, hein, ces petites merdes. Hein. Ouvrir l'inventaire. Une pièce de monnaie utile. D'accord, il y a un système de stuff. Ce sera mon premier... Que 87%? Je pense que... Ah ouais? Faudrait voir c'est quoi les avis critiques. Il y a des mecs qui sont déjà chauds, qui ont joué assez pour mettre un avis. Attendez, on va regarder. Juste vite fait, regardons les avis. C'est intéressant de se donner... un excellent mélange de... En français, il y a de l'avis positif pour l'instant. Attends. Très positif quand même. C'est quoi les avis Bon, pour l'instant, français... Français, il n'y a pas de... déjà, France... les Français... Ouais. Ouais, c'est les Chinois, frère. À mon avis, tu vas avoir des bugs de langue. What? Oula. Alors, quand tu vois qu'il y a un pays qui critique spécifiquement le jeu, c'est qu'à mon avis, il y a un souci sur les langues proposées. Faudrait faire la trad, mais à mon avis, il doit avoir un problème pour les gens qui jouent avec la version... je ne sais pas quoi, chinoise ou autre. Ouais. Exactement ça. Non mais en vrai c'est intéressant, tu vois. Parce que quand tu m'as dit avis, tu vois, au moins on peut voir que au niveau des Français le jeu il est positivement critiqué. En tout cas au niveau de notre langue. Parce que faut regarder aussi les critiques au niveau de quel pays va cracher sur le jeu ou pas. C'est intéressant de voir ça. Ok. On a récupéré plein de coffres qui donnent des gold. Genre j'ai 7 gold. Nous sommes bientôt arrivés, et regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête, elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton nouveau culte. Ah, puissant prélat de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cette âme misérable. Ah, qui ose franchir les terres sacrées et interrompre notre rituel? Parti!
Ah ouais, en fait, je peux pas les cancel en boucle. C'est trop chiant que je repousse les ennemis comme ça. On va le secourir. Ce sera notre ami Wolf. Il était là sur le stream, donc il mérite d'avoir son personnage en premier. J'ai envie de tout péter, genre l'animation elle est trop stylée. J'ai envie de tout casser. Nous voilà en sécurité, tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ces marques au sol pour parcourir de grandes... Putain, je rote. De grandes distances en claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Ok, c'est parti mon kiki. Hérétique vaincu, mes créances sont punies. Prendre 3 kills. Donc ouais, je comprends pas tout. Apparemment, la version est buggée. Des croyants disparaissent, des trucs du genre. Ah. Alors, est-ce que c'est leur version qui est buggée ou nous qui avons pas vu qu'il y avait les bugs? Il y avait pas les modes faciles, difficiles pour la démo. On va jouer en mode normal parce qu'on est une pussy player. Ce lieu est sacré. Qui est autrefois mien et désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et accueillir son nouveau foyer. Les adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui de ramasser du bois ou de la pierre. Tu veux être quoi, Wolf? Enrôler. Laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Wolf. Pas de l'apparence. Faut que je mette une gueule de loup. C'est quoi ça? Un hérisson, genre. Il y a vraiment des loups ou genre... Attends, il y a vache. C'est quoi cette merde? Souris, crocodile, éléphant. What the heck? Si, y'a loup. Tu veux être un chat? Ah, mais à ce moment, je l'appelle Gakko et toi, je te fais vraiment un loup plus tard, tu vois. Et quelle couleur votre chat déjà? Il est marron? Noir multicolore. On va mettre ça alors. Je vais appeler Gakko. Toi, je te ferai un loup. Merde. Gakko. Croyance. Peur de la mort. Moins 5 fois à la mort d'un adepte. Oula. Moins 10 fois en tombant malade. Oh bah toi, tu vas te faire buter. Gakko. Alors attends, tu veux devenir mineur ou bûcheron? On le met quoi? Mineur. Allez, mineur. Bien mineur. Grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se concentrer de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires pour construire un feu de cuisine. Ça te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Ok, on va collecter du bois. Ah, les animations sont trop cool. Bah. L'autre est en train de travailler. Mais attends, mais on peut tout looter ou vaut mieux pas tout looter? J'avoue que cette remarque n'est pas stupide. «
Ok, là j'ai un craft. Accepté. Ah, j'ai que ça en... Vas-y, on va construire ça là-bas. Ah, attends. Vous avez ton besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devez leur préparer des plats. Si le niveau de santé de votre culte en haut à gauche de l'écran est trop faible, vous pourrez mourir de faim. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par des lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Parlez à Gakko. Tiens, deviens bûcheron. On va cuisiner. Maintenant, nous devons construire un hôtel, mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui t'attend, a été emprisonné par les quatre prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui te garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Pars dès maintenant là-bas et tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. Ok. D'accord, donc là j'ai débloqué la première zone. Alors, c'est quoi la raison pour les portes ? Nécessite 9 croyants. Ah ok, d'accord. Oh, Yagako est pris ! La porte est ouverte. Après, genre si... Mais attends, mais elles sont dégueuses les araignées, wesh. Ah, c'est là où c'est différent de la démo, on n'a plus qu'un seul item. Une épée équilibrée qui inflige des dégâts modérés, équipée. La démo nous donnait vraiment genre des items et tu sentais que... Arrivé sur les terres du prélat Léchi, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Est-ce que le premier boss est faisable ou genre... Vaut mieux... J'ai pas l'impression que... Ah si, quand je pète, je récupère des ressources. Ah oui, donc c'est intéressant de casser les trucs alors. Pourquoi il y a tout un truc là? C'est quoi ce bordel? Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avait été sacrifiée, pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable! Cette couronne, son pouvoir! Oh non, mais je ne suis plus fort que toi, minable agneau. Ah, tant qu'il est encore temps! Ok. On va couper hein, parce que c'est des ressources hein. Tout cassé, bom bom.
Ça a changé, Binding of Isaac, c'est vrai. Ramasser, c'est quoi? Carte de tarot. La puissance céleste. Vitesse d'attaque multipliée par 1,25. Oh, c'est une dinguerie, par contre. L'animation est trop trop belle, hein, je leur dis, mais les animes, elles sont vraiment stylées. Ok, les gros monstres, je peux pas les cancel, mais je peux les... Ouais, je peux pas les cancel. Les petits, je les cancel quand je les frappe, mais pas les gros. Gloire à l'agneau qui se confie de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré, et il y a plusieurs vies de cela, où est-ce un événement à venir? J'ai tiré tes cartes maintes fois, l'agneau, et pourtant c'est une première. Prends ces cartes, j'en tirerai une nouvelle à chacun de nos rencontres. Les cartes octroieront alors un pouvoir. Quel pouvoir? C'est un mystère. Et pourtant une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Ok. Les cœurs offerts une promesse tenue. Donc j'obtiens un cœur. Franchissez-le plus tard. Lorsqu'il ne vous reste plus qu'un... Tous les ennemis reçoivent 2 dégâts. Ouais. Est-ce que c'est un cœur basique ou c'est un cœur bleu? On va voir ça tout de suite. C'est un cœur bleu. Poursuis ton chemin et marche vers la lumière. Ah, ça, c'est la collection de cartes que... J'ai tenté de le frapper avec un léger doute de « est-ce qu'il va m'enculer mes grands morts parce que je l'ai touché ?» Ouais, c'est comme Isaac. J'avais un doute, mais je me suis dit « est-ce que c'est juste un slot ou... » Ah, et là, je cherche, genre, bah, on va chercher du bois. Ah, c'est con, peut-être. Parce que Gaku, il récolte déjà du bois. Ah, ça c'est my bad, c'est mon erreur. Ah, on peut RP bûcheron quoi. C'est vraiment genre juste une zone de ressources. Où je vais éternuer? Attendez. Désolé. Je l'ai raté, j'ai failli me prendre un coup bêtement. Le destin seul choisit le tirage des cartes. Oh, c'est pas mal ça. Attends, on va prendre ça. J'aime bien le concept de tu peux bloquer des dégâts. Est-ce que tu perds toutes tes cartes de tarot quand tu reviens ah, c'est de la vraie merde ça par contre. Comme mob. Ah c'est vraiment débile ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça? De péter le bleu. Tout ce qu'il y avait au milieu, c'était vraiment pas une bonne idée. Ouais, je me suis mute. La venue s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire en tort des tiens?
Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la colonne rouge. La couronne rouge. Ok. Oula, oula, oula. Amdoucias. Attends, on va tuer l'ad. Ok. On a failli faire un perfect. Je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Choix grand cadeau. Choix 20 pépites d'or. À des graines. Un grand cadeau. C'est quoi le grand cadeau ? De l'argent. J'ai dû prendre des graines. Ok. Tu es encore en vie, c'est impressionnant. Tu as même réussi à convaincre quelqu'un à rejoindre notre troupeau. Notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Laissez-moi rejoindre votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Alors. Il est obéissant, plus 10 de fois en rejoignant le culte, moins 10 de fois en tombant malade. J'ai envie de faire Kepos. J'aimerais bien choper un loup pour toi, Wolf. On va attendre de choper un loup. Et Budu, je la mets en quoi? Je la mets en cochon? Oh, il y a un caca. Bon, toi, je t'attends pour te mettre là. Je vais appeler Kepos. Kepos. C'est pas mal. Tu peux modifier. J'ai pas vu. Je vais lui mettre une petite toupette. Grosse cochonne. Ce sera la prochaine Budu. Donc épouse, t'es un mineur. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite récupérer. Et pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un hôtel. Ok. Alors. Alléluia! Tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voici un nouvel adepte, assigne-le à l'autel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par tes adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Oh, y'a Budu qui a rejoint! Laissez-moi rejoindre votre culte! Oui, oui, oui. Je vous jure que c'est le karma. Y'a Budu le petit cochon. Oh
Oh. Mais regardez Rose. Se soigne 15% plus lentement une fois au repos, 10% de fois en rejoignant le culte. Allez. Bienvenue Budu. Ok. Collectez la dévotion grâce à l'autel, vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. Plus vous avez pris, plus elle se remplit. Ils ne prieront plus si l'autel est plein. Débloquez des constructions via l'autel une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Ah ok d'accord. Ah, il me faut de la pierre les deux nœuds là. Mais je gagne que un pierre par truc cassé. Ah ça va, Budu elle prie bien, regarde là. Ça c'est ma Budu ça. C'est bien ça. Plus d'âme. Le temple est le lieu crucial que tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. Tu pourras également accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Les adeptes sont toutouilles, montre-leur quel genre de guide tu veux être. Prononce un sermon depuis le temple. Ça mon pour nourrir l'énergie de vos adeptes et annoncer le pouvoir de la couronne rouge. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Prononcer des sermons vous permet d'obtenir de la foi qui vous serait utile pour débloquer des pouvoirs, des armes et des maléfices. Les adeptes ont un niveau de fidélité important, génère de la dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Impressionnant, tu as ça dans le sang, je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que les adeptes obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance et cherche des fragments de pierres de commandement. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines.
Ah, c'est stylé, j'aime beaucoup. Oh. Et là, c'est devenu une grosse hache. Ah ouais, c'est lent. Bon, et presque je récolte de la pierre, donc. Faut que je fasse gaffe. Double les soins reçus. On va prendre ça. Ça peut être utile. Ah te voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Celui qui attend est satisfait de ton travail et souhaite t'accorder un pouvoir de la couronne. Désormais, lorsque tu tueras des ennemis, tu pourras récupérer de la ferveur. Ramasse-la pour changer tes maléfices. La ferveur est l'ire justifiée gagnée en foudroyant les ennemis qui sert de carburant à vos maléfices. La ferveur récupérée quand vous tuez un ennemi permet de ravitailler vos maléfices. Et garde. Tu m'étonnes. J'avoue que en vrai, ça fout le seum, hein, si... Putain, tu me casses les couilles. Tu choisis de t'embêter bêtement, jeune agneau. Quelle imprudence. Je lis dans tes mensonges, je sens ta peur. La couronne rouge s'éveille à nouveau, mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir. Par contre, j'ai pris cher. Et la lumière fuit. J'ai un nouveau craft. Ok, on va l'accepter. Et je me heal pas, j'ai pas de truc pour me heal. Shit happens.
Nice. Ah, et là, j'ai trouvé... Ah non, j'ai pas encore trouvé la vieille croyance. Et j'avoue que, ouais, s'il y a des problèmes... Et je me demande si juste les Français ont aussi les problèmes, tu vois. Genre, si notre version a aussi les problèmes, mais on est plus tolérant que les Chinois, tu vois. Ou les Japs. Je sais pas si c'est des Chinois ou Japs qui critiquaient mal le jeu. Oh... nouveau ça. Ah, je fais quoi? Je prends un adepte? J'ai envie de prendre un adepte. Je me dis au début ça peut être intéressant d'avoir des adeptes, mais je pense que ça peut être très vite la merde si t'en as beaucoup. Donc on va prendre ça. D'accord. Donc lui, il me vend des morceaux. Oh, c'est stylé. Ça sert à quoi de la péter? À part foutre la haine à l'autre. Il y a bien des siècles, ces terres étaient peuplées par les dieux et de nombreux adeptes. Que restait-il de ce royaume jadis prospère? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde d'oublier et des dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils partis, peut-être ont-ils plongé dans un sommeil éternel, peut-être ont-ils dévoré et été dévorés à leur tour. Ceux qui sont restés tissèrent d'étoiles entre ce monde et le leur. Il y a bien des siècles, ces terres étaient les terres des dieux. Ah d'accord, donc en fait il m'offre par défaut un fragment. Vous avez assez de fragments pour ériger une pierre de commandement. Les pierres de commandement servent à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Utilisez Hôtel pour adopter une nouvelle doctrine quand vous ériger une pierre de commandement. D'accord. Il est nul comme ennemi, frère. J'aime bien la grosse hache en fait. Elle fait pas assez de dégâts. Il manque... Oh, attendez, on va garder la hache pour l'instant et on va voir un peu ce qu'on va obtenir. On va reprendre ça. On bat les couilles de la vie. En vrai, je peux m'en sortir assez bien comme ça. Elle meurt, sale merde. Des pépites d'or. C'est con que j'ai pas de truc de récolte. Je pense que dans pas longtemps on va être un peu doomed au niveau ressources. Et je préfère pas prendre d'adeptes si le jeu m'en oblige pas, parce que je me dis les adeptes c'est très vite la merde en termes de ressources. J'ai obtenu collier de fleurs. Tu vas plus lire. Un adepte de régénérer de la je sais pas quoi. Un adepte de générer de la dévotion plus rapidement. Ah, donc c'est à dire que je peux stuffer des adeptes. Au 100%. C'est tellement ça.
Par contre, en vrai, le genre, bon, toi, tu fais que regarder le stream, tu vois, t'as pas le feeling du gameplay, mais les coups, l'animation, le bruitage sont vraiment très gratifiants. Genre, il y a un travail sur ça. Ah merde, j'ai dashé dans une boule de feu. C'est bad. Eh, le jeu, il veut que je prenne son épée de ses grands morts. Arrête de me proposer l'épée, là. On va tirer une carte. Augmente chance de trouver des coffres intéressants. Ah, ça, on va la prendre. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On va sécuriser avec les damage parce que je me dis le boss peut nous mettre des dingueries, donc... Autant sécuriser. Ah, il mélange les deux nouveaux patterns qu'on a vus. Je voulais roulade. Ah ouais, d'accord, il attaque beaucoup plus vite maintenant. Ok, on l'a tué. J'ai forcé le kill sur sa gueule. Surtout si chaque boss nous donne un adepte en fait. Alors, choix d'apparence d'adepte. Je vais prendre choix d'apparence d'adepte. Ah putain, j'ai cru que c'était loup, j'ai trop la haine. Tu peux lancer des runs en boucle, t'es pas obligé d'aller à la porte du boss. Ah. Excellent, je me suis pas trompé en t'épargnant et t'en disant en porte-couronne. Je surveillerai chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. Ok. Bon. Ok, Budu, elle dort là. Et là...
Je sais pas si elle est reptile. Il y a un crocodile. Je garde le croco pour mon bas. Je vais le renommer, je vais mettre Dakara. Choix de l'apparence. J'aime bien comme ça. Et même choix de la couleur, je l'aime plutôt bien la couleur comme ça. J'aime bien le côté marron. Alors, c'est quoi les variations ? Ouais. Est-ce qu'on en fait un prieur ou un... Oh, Dakara, c'est un bûcheron, hein. Le petit Dakara. Dansez autour du feu afin d'augmenter la foi de votre culte. Bien le poison. C'est quoi qu'il faut? C'est des os. Comment on obtient des os? Prononcer des serments. Prononcer des serments, accomplir des rituels et satisfaire les besoins de tes adeptes permet d'augmenter la foi. Pour accomplir un tel rituel, tu devras utiliser des os de tes ennemis. Détruis leurs squelettes pour récupérer leurs os. Retourne sur les terres des vieilles croyances, collecte les os de tes adversaires et mords au combat. Recrute de nouveaux adeptes, puis reviens ici pour accomplir un rituel dans le temple. Donc il y a les rituels, les os. Récupérer des os sur les cadavres des hérétiques afin d'accomplir des rituels dans votre temple. Il chie par terre, ce connard.
Allez là. Ok, donc c'est quand même important de faire des... Est-ce que je considère que je fais genre combien de graines? Ça serait... Faudrait que j'ai... Ouais, il manquerait un emplacement quoi. Ah si, je peux les capturer et faire des trucs avec. Honorable guide, votre culte grandit de jour en jour, il est temps de lui donner un nom. Culte des Weeb, ça sonne bien. Regardez là comment ils font un beau travail là. Oh là là. Pourquoi j'ai un truc pour me dire nuit? C'est-à-dire qu'ils ont dormi une nuit? Il y a connexion Twitch, mais attends, c'est une dinguerie. Il se passe quoi quand tu te connectes à Twitch? Ouais. On va tester ça tout de suite.
Ah, mais je pense que c'est dû au fait que... Attendez. Ah, ça marche pas juste. Ah, c'est sympa. Ok. En gros, je peux connecter par défaut l'extension du truc et ça me permet de... Oh, ok. Donc, ok. Bon, utilité pas forcément grandiose, mais... J'aime beaucoup le menu. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. On aura pu tester cette masterclass. On continuera le jeu parce que... en fait, c'est un Metroid-like, mais... qui est tellement ouvert sur la progression que t'as envie de continuer de t'investir dans le jeu. Donc on va y continuer et on va essayer de s'investir. Il y a un autre jeu qu'on aimerait faire, que j'attendais depuis un moment, qui vient de sortir. C'est lui. J'annonce que ça a l'air d'être une dinguerie. Par contre, ça fait deux masterclass qui sortent en même temps, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Et tu vois, Wolf le veut. En tout cas, ouais, Cult of the Lamb, pour moi, coup de cœur là. Gros, gros coup de cœur. Je voulais un Metroid-like. Pas trop difficile, plutôt cool à jouer avec un système comme ça de gestion plutôt cool. Et franchement, le jeu il rentre totalement dans mes cordes de ce que je voulais et je suis trop content quoi. Le jeu est trop bien. Bisous, bisous. Bonne nuit.